information yo n'a toujours été dans dossier sécurité pays d'Haïti côté Noël la police qui t'a frappé pendant après-midi dimanche là dans ville Mirbalais pour ne pas dire dans département centre pays côté et la police sous bon pas l'arrivée mettait fin et dans la vie plusieurs individus qui t'a circulé à bord de un véhicule parmi eux et quatre présumés bandits et parmi eux une femme état mortellement blessé dans le cadre d'échange coup d'armes avec la police dans la nuit dimanche pour l'ouvrir et lundi 13 février dans la zone Sarrazin, une localité dans la ville Mirbalais, dans le département centre pays et la police dans Mirbalais qui annoncé yo abattu et dans la nuit est passé à 4 individus parmi eux, une femme qui présentait comme étant un présumé bandit dans le cadre d'opération ça et la police qui a coûté la vie avec 4 présumés et criminels. La police arrivée confisqué 2 armes à feu parmi eux, un fusil AR 15 a confisqué dans le cadre d'opération Silla selon commissaire et principal Ronald Pierre, responsable commissariat Mirbalea nan et plateau central. Yon moun identité li poko et révélé ta sorti blessé dans le cadre opération ça moment et n'a pas la pour recevoir soin dans un centre hospitalier toujours. Et d'après institution et policiers, la machine qui t'a confisqué c'est un véhicule de couleur noire et marque Lexus et la police est même arrivée récupérer pour finir Noël. La police qui réitéré détermination pour traquer bandit cap émetté de non mitant population haïtienne région et plateau central département la Tibonite Noël jodi ala qui tournait et yon et repère et des bandits yon bastion kidnapping dans même cadre information ça Noël et la police qui t'a mentionné yon abattant et chef gang Izo ainsi connu pour un pile monde cap posé tête yo si c'est Izo et village de deux non et c'est pas Izo et village de deux mais Izo ça c'est un présumé et chef gang cap opéré et dans ville Lascahobas. Donc, voilà, ça c'est extrait image ça on a regardé là mesdames messieurs. Vous capable comprendre que nous modifier le pour parce que là nous avons à peu près 4 individus qui tombés et n'a suivi image là. Bon, nous essayons de modifier le pour en façon pour capable parce que nous connaissons que nous toujours envie garder ça qui passé mais c'est exactement image ça que nous gain sur écran là à l'instant même. Donc on va laisser mettre son grand plan pour elle davantage mais dans le sens que là machine saisie, zame saisie et individu tombé. Donc, opération zéro tolérance, bandit par sous monde. Et oui, là, nous avons parlé, un peu, on a posé, j'en nous disant, est-ce que c'est Izo, village des dieux qui mourrient? Non, c'est pas Izo, c'est pas lui-même. Et bon, nous plus de détails sur ça, monsieur. Bon, Jimmy n'a poursuivi avec une série d'informations. Nous avons dit, dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13. Février 2023, la police qui était affectée, des policiers qui affectés dans le commissariat Mirbalais et Lascahobas, disons mieux, mettaient mené opération, et bien ouais, la police dans le département centre en gros qui n'a même pas décidé de baisser les bras, même pas décidé de dormir, même si dans quelques autres départements, la police même yo affaibli, mais ouais, dans le département centre, la police même yo pas décidé de baisser les bras. Pour opération menée et même femme pas épargnée, côté que l'opération si là, les soldés par rapport avec plusieurs bandits qui avaient perdu la vie, et sans oublier Sam qui saisit. Donc, dans le cas ça, parce que par exemple, des innocents là, depuis que Sam qui saisit, depuis que fusil qui saisit, parce que c'est pas des gens, c'est pas des gens qui ont dit qui va dans un an avec bandits, parce que souvent, les temps de l'opération menée, ils ont arrêté les 3 personnes, ils n'ont pas de même bout de couteau dans les mains. Souvent, les gens disent et quand même, ils ont des doutes par rapport à des telles informations. Mais face à ça, les armes saisies, eh bien, plusieurs bandits arrivent à tomber. Et face à ça, les policiers disent qu'ils n'ont pas fait arrêter, arrêter bandits, arrêter kidnappés avec des armes dans les mains. Eh bien, ils ont presque un petit comprimé pour aller pour le sommet éternel. Eh bien, messieurs, dames, ça ne va pas chambre et nous ne pouvons jamais nous soutenir bout de terre, nous ne pouvons pas détailler encore. Eh bien, vous voyez dans le pays sans chapeau. Opération ça qui menait dans la nuit et pour la nuit et justement et dimanche 12 pour l'ouvrir et justement lundi 13 février hein, qui a abouti qui portait des résultats positifs. N'a dit bravo à policiers dans le département centre, bravo à commissariat et Lascahobas qui même justement permettre mon département centre sourire parce que mon département centre dit même États-Unis. Yo pas d'accord pour le département centre lui-même, il vient pourri. Même j'ai avec le département de la Tibonite, yo pas d'accord pour le département centre lui-même, il pourri. Et même j'ai avec le département de l'Ouest, même si nous avons présence certains leaders politiques, là pour mon tankou Ronny Célestin, qui lui-même c'est dans zone par lui-même la taille mandat, là pour mon tankou et plusieurs autres encore. Mais nous avons dit département centre lui-même et nous sommes capables de dire que lui-même, jusqu'à présent, il comporte bien la façon que la police a géré les questions de sécurité. Même si, et alors il faut qu'on nous dise, l'information qui veut nous a même fait qu'on ait un rapport avec Gang 400 Marozoan. Mais jusqu'à présent, nous avons un certain nom qui a justement trouvé un certain nom. Et c'est à Izo ainsi connu, mais n'a précisé à l'auditoire là. Monsieur Saliba n'a rien à voir avec Izo, chef bassin seconde, gens qui ont voulu comprendre, gens qui ont voulu faire quoi là. Donc, c'est l'autre Izo, mais cependant, plus précision, c'est pas Izo, village, c'est pas Izo, village de Dieu qui lui-même côté nom et base là côté nom, 5 secondes. Ouais, on avance. Bon, et n'a pas possible avec information, yo, n'a toujours été dans le dossier. Sécurité, nous est désormais pour un chauffeur lui-même et traversé dans les zones et Canaran et plus particulièrement chauffeur transport en commun et Canaran et nous connaissons Soti Nord et Ville Port-au-Prince. Chaque syndicat transport doit verser un montant qui est estimé avec environ 300 000 goudes chaque samedi pour que les membres capables de circuler et libre et libère sous tronçon route et Canaran, information qui confirmée et par une source concordante et conducteur et public autorisé pour et autorisé et puis il y a un carte qui délivré avec chaque chauffeur par bande en message et si toutefois et un chauffeur partagé dans même ça et bandit et Canaran même yo tabay là et ça qu'arrivé li trouver là non situation est délicate avec les membres et groupe criminel et si la association chauffeur Saint-Marc Lester et Villa Aka Ponsondé ta concerné par escroquerie ça qui mettait en place par gang et Canaran yo pour compléter somme et 300 et 1000 goudes pour compléter et somme 300 000 goudes chaque samedi en chauffeur ça yo et doit verser yon frais 1500 goudes chaque voyage et appel pour quitter et Port-au-Prince pour aller dans le département et la Tibonite payant en conséquence précaution qui reconnaît une augmentation vertigineuse à titre exemple et circuit et c'est marqué Port-au-Prince qui était fixé à environ 550 goudes passé avec 1500 goudes et n'a pas de tout transport en commun qui était au point mort et sous activité ça depuis plusieurs mois et la cause action et kidnapping, viol, aka détourné et camion qui perpétré et par gang sao qui imposé loi et sur route nationale numéro 1 sous regard passif autorité en place et n'a rappelé. C'est pas seulement et non niveau Canaran les constats nous connaissons tout non niveau 3e et circonscription et bandit et ça yo et fait sortir et formulaire yo et remettre et chaque et formulaire avec un chauffeur qui pour bail et mes côtés et la sortie mes côtés libre aller et puis pour le bail et numéro et téléphonie après un carton cap délivré avec un chauffeur c'est là pour capable emprunter 3e circonscription Port-au-Prince et n'a pas rappelé tout que monsieur ça yo même yo prend décision ça tout de suite après Ariel Henry était fini dans la parole pour le dire dans le prochain jour qui est pour venir là yo et 3e circonscription pour le contrôler par la police c'est-à-dire et bandit pas qu'à commettre exaction yo parallèlement pendant que Ariel Henry même t'a mentionné ça bandit au montré c'est au même qui chef c'est au même qui coque chanter dans quartier et Matissa yo profiter tout pour ta rançonner chauffeur pour ne pas dire remettre et yon 4 avec et chauffeur ça au côté chaque week-end et syndicat ont quantité l'argent il y a bail et bien que le pot qu'on révélé pour 3e circonscription et chaque chauffeur tout et dans moment voyage yo ont quantité comme il y a bail mais pour qu'on y a là c'est pour Canaran nous au courant de montant l'argent côté et chaque syndicat transport a bien environ 300 000 goudes pour le bail et par semaine et chauffeur yo dans chaque voyage y a fait et y a obligé bail 1500 goudes avec et bandit et si la cap opéré route nationale numéro 1. Voilà. Et pendant ce temps, mesdames, je vais regarder extrait et vidéo ça que nous mettons sur l'écran pour vous. Évidemment, Et d'après Aplo, ça n'a pas fait trop longtemps que côté que la police eh bien t'es saisi plusieurs cargaisons d'armes et munitions. Et puis nous toutes et nous toujours poser nos questions, mais côté armes ça côté munitions ça comment fait je dis là nous tendez ambassade américaine à bail pression, ils pas veulent quitter la police là et utiliser même armes ça même